Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Avant de vous donner l'information du jour concernant la mise à jour de la Mecool KM2+, je tiens à souhaiter une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans du monde entier. Donc mes amis, pour ceux qui détiennent la Mecool KM2+, il y a quelques jours ou bien il y a quelques mois, je dirais, la box est devenue lent et puis il y a pas mal de lag. Une bonne nouvelle, c'est que actuellement il y a une nouvelle mise à jour. Moi, j'ai déjà fait la mise à jour sur la Mecool KM2+ qui va vous aider à résoudre tous ces problèmes-là. Donc, pour faire la mise à jour, mes amis, c'est très simple. Il vous suffit juste de vous rendre dans les paramètres de votre Android, ensuite sur préférences relatives à l'appareil, à propos. Et bien sûr, vous cliquez sur Mets à jour. Par la suite, la mise à jour va se télécharger automatiquement. Par la suite aussi, elle va s'installer. Une fois la mise à jour installée et la box redémarrée, vous allez retrouver le menu normal de votre Android TV et bien sûr avec toutes les améliorations qui ont été apportées au nouveau système. Donc mes amis, comme vous le voyez, je vais vous faire une petite démonstration. Donc préférence à l'appareil, on va y aller vérifier la version du noyau. Donc regardez et comparez quand je l'ai acheté l'Android TV et maintenant. Donc comme vous le voyez actuellement ici, version du noyau 5.4.210. Et si vous comparez à celle que vous voyez ici, c'est quand j'ai acheté l'Android TV pour toute la première fois, vous allez voir que le noyau est différent. Au lieu de 210, vous avez 125. Donc la mise à jour est bel et bien passée avec succès. Et bien sûr, maintenant, l'Android TV, elle est plus fluide qu'avant. Regardez, il n'y a pas mal, il n'y a pas de bug, il n'y a rien du tout. Vous pourrez continuer à utiliser votre KM2+ comme si elle n'a aucun problème. Donc voilà mes amis, c'était juste pour vous faire passer cette information. Je me suis dit que peut-être beaucoup d'entre vous ne le savent pas et maintenant ils vont le découvrir avec nous. Et peut-être ce sera le cas des autres personnes si vous partagez la vidéo, bien sûr, si vous le souhaitez. Et sinon, je vous dis à très bientôt mes amis et au plaisir de vous retrouver.